Ah, mes amis, le soleil se couche doucement, là-bas, paresseusement, sur la côte. On est vraiment très bien. Bon, aujourd'hui, il fait un peu frais, il y a un peu de vent, mais c'est normal, on est en automne. Et je suis ici dans la côte de nuit qui est vraiment au cœur de la Bourgogne. J'aime bien ces coteaux, ces vignes, ces villages. Je trouve ça magnifique. Et pour parler de la côte de nuit, ben, je suis venu voir un vigneron que je suis depuis quelques années. Certains l'appellent un doux rêveur. Moi, je trouve que c'est simplement un mec bien, tant humainement que dans ses vins. C'est Gilles Ballorin qui est là. Comment ça va, Gilles? Ça va, Patrick, merci. Ouais, ça va fort. Quand je dis ça va, Patrick, je réponds ça va fort. C'est comme ça. Ça te coupe. Écoute, ça fait déjà quelques années que je suis ta production, notamment quand je viens, tu sais, à la vente des vins à nuit. Tu sais, qui se fait un peu dans l'espèce de hall là-bas. Et ça fait déjà 2-3 années que je goûte tes vins. Puis je trouve quand même des choses très attractives, très intéressantes, toujours de la pureté. Et tu as un parcours quand même en tant que vigneron qui n'est pas habituel en Bourgogne. C'est-à-dire qu'en Bourgogne, le fils hérite du père, qui va donner ses vignes à son fils, qui lui-même va les léguer. Donc tu as un côté comme ça, un peu générationnel. Toi, tu as créé ton domaine de rien. Voilà. Voilà. Alors atypique, il y en a un par an, en gros, qui se crée comme ça de domaine. Ouais. Hein? Moi, je l'ai fait en 2005. D'accord. Tu avais pourtant une carrière plutôt tranquille. Tu étais directeur commercial, tout allait bien. Tu étais dans un bureau, un bel ordinateur, une voiture de fonction. Grosse voiture. Le bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas moi. D'ailleurs, c'est marrant, quand t'es directeur commercial, tu mets un costume. Donc, tu te déguises, tu mets un costume, toi. Quand je rentrais chez moi, je me changeais. Et j'étais pas moi, quoi. Donc, ma vraie nature, elle est là. Elle est au milieu des vignes. La nature, tiens. Voilà. Amusant. Donc, tu crées ton domaine de rien avec quelques vignes en 2005. Et tu me dis, fin d'année, je me retrouve avec 3 hectares. Voilà. Je commence avec 20 tares, une vigne de 20 tares. Tout en fermage. Tout en fermage, et en 3 ans, j'arrive à 3, pardon. En 3 mois, j'arrive à 3 hectares, et je vendange en septembre 2005, 3 hectares de vigne. Comment tu arrives à convaincre tous ces gens de dire, vous savez, je suis un mec bien, ça va être écrit quelque part, je pense, non? Parce que j'étais un doux rêveur. Non, ça s'est fait, c'est des circonstances, c'est des vignerons qui arrêtent, c'est des vignerons qui laissent certaines vignes. Et en général, les vignes que je récupère sont des vignes que peu de gens s'arrachent. C'est des vignes assez vieilles. Pleine côte. Voilà, c'est des vignes. Voilà, c'est des vignes où on se retourne en tracteur. Des vrais terroirs à Dahu. C'est des vignes. Il y a un trou à Dahu. Exactement. Il en fait un beau Dahu. Hein, on va emmener Manuel Delmas là pour aller le chasser. Je te montrerai, en plus c'est vrai, il y a un vrai trou. Il est très fort. Donc, il y a des vieilles vignes, beaucoup de vieilles vignes qui donnent peu. Donc les gens ne se battent pas trop pour les reprendre. Et donc moi ça m'intéresse, parce qu'en plus de la vieille vigne, c'est ce que je recherche. Des vignes sur coteaux, c'est ce que je recherche. Des vignes avec des friches à côté, moi c'est ce que je recherche pour aussi. Pour la biodiversité, pour tout la ça. Biodiversité, bien sûr. Donc voilà. Bah déjà, depuis le début que je te connais, je trouve que t'es toujours un peu atypique, mais malgré tout, personne ne te critique, ne dit du mal de toi. On sait que tu es comme ça, cette espèce de doux rêveur, j'aime bien ce truc-là. Et je pense que ce qui a inspiré le respect à tes collègues, c'est quand on goûte tes vins. On a toujours quand même une droiture, une pureté, une propreté, une netteté. De quoi ça vient? Du tri de ma boule, d'un travail de dingue à la vigne, c'est quoi? Alors, le doux rêveur, je vais te dire, hein, c'est, moi j'ai toujours appris ça, c'est qu'une marge, être à la marge, une marge fait toujours partie de la feuille. Mm-hmm. Une marge n'est pas en dehors de la feuille, elle fait partie de la feuille. Il y a juste qu'un petit trait là. Voilà, il y a juste un petit trait, t'es sur le côté. Donc, c'est pas grave, t'es quand même dans la feuille. Ouais. Donc, c'est ça un doux rêveur, c'est t'es dans la marge, mais t'es là. Mm-hmm. Alors, après, le travail, non, moi c'est beaucoup de beaucoup de non-travail, c'est-à-dire que moi je fais rien. J'accompagne mon raisin, j'ai une confiance énorme dans mes raisins. 99% du boulot, il est dans la vigne, il est là. Voilà, j'allais le dire, voilà. Oui. C'est surtout là. Moi, je travaille là, après je laisse faire. Voilà, c'est une fois que les raisins sont rentrés, s'ils sont beaux, c'est bon, tu pilotes. Et s'ils rentrent, c'est qu'ils sont beaux. Voilà, tu pilotes. Voilà, c'est tout ce que j'accompagne. Tu fais. Mais quand même, 5 hectares tout seul en bio et maintenant en biodynamie, la biodynamie, c'est du boulot. T'as tes préparations, tu te lèves à 3h du matin, il n'y a pas de week-end parce que le week-end, non. On ne connaît pas en biodynamie. Non. Voilà. Non, on travaille avec la lune n'a pas de week-end. Ça, c'est clair. Non, c'est du boulot, mais moi, j'adore ça. De toute façon, c'est du plaisir. Ah ouais. Oui. C'est du plaisir. Comme disait l'autre, faites le métier que vous aimez, vous ne travaillerez jamais de votre vie. C'est ça. Alors, une particularité aussi dans cette vigne, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais tu rognes pas ta vigne, on ne coupe pas la vigne, c'est-à-dire en hauteur, en largeur, tu couches tes sarments sur le fil. C'est ça. Ce que tu veux, c'est avoir le maximum de végétation
en rapport avec le soleil, c'est quoi exactement cette... C'est le maximum de végétation, et lorsque tu coupes une vigne, tu la stresses. Donc obligatoirement, à un moment, elle se bloque. Et moi, j'ai donc décidé, cette vigne-là, de ne plus la couper, de ne jamais la stresser, d'être vraiment sur le côté libre. Elle vit sa croissance jusqu'au bout. Et tu la tailles en hiver, une fois que la sève est redescendue, voilà, et que les bois sont en quelque sorte morts. Voilà, exactement. En tout cas, c'est du boulot, hein. On vient ici, franchement, c'est du beau boulot, on regarde la vigne, le palissage est très bien, les fils sont bien tendus, cette vigne est couchée, m'impressionne, je ne suis pas assez pointu pour vous dire si c'est la panacée ou pas, mais le choix du vigneron lui appartient, ce qui est sûr, c'est le résultat, et là. Et moi, je viens de goûter quelque chose là qui me plaît beaucoup, malgré qu'on a fait une très belle dégustation avec un aligoté, excuse-moi le terme, très aligoté, c'est-à-dire que quand je vendange et qu'on coupe des aligotés, il y a une odeur. Il y a l'odeur un peu excitante d'aligoté qui est vraiment un très beau cépage qui pourrait donner de très beaux vins si on prenait la peine de les faire. Ton aligoté est très raisin aligoté. Et je trouve que je revis des vendanges à Pernan. Pour moi, c'est un peu une madeleine de Proust, cet aligoté. Je trouve des pinots très propres, très droits, un très beau Côte de Nuit-Village, un peu cistercien, on a un peu rigolé avec ça, un peu austère, mais ça lui va bien. C'est-à-dire que ça peut paraître austère, un peu réservé, on le boit avec plaisir. C'est assez étonnant, c'est paradoxal. Mais le truc que j'aimais, c'est ça, mes amis. Voilà. C'est ce pinot noir-là qui s'appelle Le Bon, de chez l'ami. Et en fait, ton pinot noir, c'est quoi? Ça vient d'où? Alors, c'est une vigne qui est sur Chenauve, hein, qui est donc à l'extrême nord de la Côte de Nuit. Après Chenauve, c'est Dijon. Donc là, on a pareil, un vignoble qui est pratiquement abandonné, complètement urbanisé. C'est-à-dire que les vignes sont arrachées pour construire des bâtiments. Et paradoxalement, on a un super vignoble. On a des terres absolument magnifiques. Ça s'appelle Le Chapitre. Ça fait des grands vins. N'oublions pas que la vigne des Ducs de Bourgogne était à Chenauve. Tout à fait. On y a encore les pressoirs. Le Clos du Roi. Exactement. Hein. Donc c'est des très belles parcelles. Hein. Les Ducs n'étaient pas fous, c'était garder les belles parcelles. Et cette parcelle-là, elle est répertoriée cadastralement en 1200 et quelques, 1262 je crois. Déjà au XIIIe siècle, c'était la vigne qui était faite ici. Ouais. Donc voilà, c'est des petits raisins, c'est de la vieille vigne sur des petits raisins. Tout petit pinot à l'ancienne. Mais c'est du pinot fin, ouais. C'est super. Et travailler en fût malgré tout? Voilà, elle s'est élevée en fût, mais pas de fût neuf. Hein. Ouais. Ça lui met juste un petit peu de rondeur, du rouge aux joues, et puis je dirais ça vient apporter de la complexité, un fruit qui est vraiment très net, très propre. Alors tu bosses nature, c'est-à-dire que tu bosses avec des doses de soufre très basses. D'accord. Tu as moins de... Mais pas que le soufre. Tu sais, quand tu bosses nature, tu ne levures pas. Tu ne chastelles pas, bien sûr. Tu n'enzymes pas, donc tu fais rien. C'est pour ça que je disais, moi je ne travaille pas. J'imagine mal qu'on puisse déclarer vigneron nature et qu'on enzymerait des vins ou qu'on les levurerait. Pour moi, ce serait alors là pour moi le crime du français. Donc bon, on peut dire à côté de ça, bon, tu dis je n'enzyme pas, je ne levure pas, etc. Il faut quand même piloter tout ça, il faut quand même être derrière. Il faut accompagner. Pas, voilà. Tu accompagnes comme tu accompagnes la croissance de quelqu'un. Des enfants, exactement. Voilà. Moi, je suis tombé sur de beaux pétards et ça m'a bien plu. C'est un joli fruit, c'est vibrant. Maintenant que quelque part, tu m'as dit tout à l'heure, je vis mon rêve, c'est un peu égoïste parce que je vis un peu un truc tout seul, ma femme, mes enfants, forcément un peu moins. Mais ton prochain rêve, c'est quoi? Mon prochain rêve, non, je n'ai pas. Oh, c'est 100 sur 100 sur Robert Parker, par exemple. Mon prochain rêve, non, peut-être essayer d'avoir de belles appellations. Non, c'est nul ça. Non, c'est pas mon prochain rêve, ça. Non, j'ai pas de rêve en ce moment. On va dire comme le chanteur, je veux être un homme heureux. Je suis heureux. Non. Non, mais le durer, quoi. Rester heureux, Vivre mieux. Ouais, mais bien, en bonne santé et tout et tout. Hein, puis voir son vignoble comme ça évoluer avec soi, ça c'est du bonheur. Hein. L'état pur. Franchement. Tiens, plutôt que tweeter, viens trinquer avec nous, toi. Allez. Tu viens, tu te mets à côté de Gilles. C'est bon, Gilles, un petit verre. Bon, c'était pas prévu, mais j'avais envie qu'Emmanuel Delmas, qui est un bon copain, se mette avec nous pour trinquer. Ouais, oui. Voilà, parce que... T'es hors cadre. Il est hors cadre, mais il va se serrer. Je suis beaucoup plus grand qu'eux, forcément. Il va se serrer. Voilà. Ouais. Si tout était question de taille, je pense que les dames ne seraient pas là où elles sont. Bon. Les dames. Les dames d'ici, exactement. Bon, en tout cas, belle dégustation, Gilles, merci pour tout. Tu as pris le temps de nous recevoir malgré un retard dû à un problème technique inhérent à ma volonté. Moi, je me retrouve ici
en Bourgogne, une terre que j'affectionne, avec des hommes que j'affectionne, parce que Gilles, c'est vraiment un mec bien, et c'est toujours avec le sourire malgré les problèmes. C'est, voilà, c'est une fraîcheur ici sur la Côte de Nuit. Moi, j'adore ça. Et puis, bah, il y a le Manu, le grand Sgeg de Paris. Sgeg est rentré. Alors, on dans trinque, le dictionnaire. Hein. On trinque, et n'oubliez pas ma phrase fétiche. Elle est pas belle, la vie. Pas belle, la vie. Hein, franchement. Et c'est tant mieux. Et que ça dure. Allez.